Et salut à tous, c'est Tito Goffet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Frédérion que j'ai droppé, je m'y attendais vraiment pas. Et je voulais vous partager un petit peu mon expertise vis-à-vis de ce mob, puisque c'est une nouvelle famille, il vient de sortir, et j'ai quand même un compte qui est plutôt sympa pour tester ce mob là. Donc j'espère que cette petite vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et nous, on va directement un petit peu décortiquer ce spell. Mais en bref, comme ça, on va directement dans le vif du sujet. On fait le test et fin de vidéo, je vous donne mon ressenti sur ce mob. Évidemment, en faisant une trentaine d'ailes dessus, je peux déjà vous donner un petit avis. Donc au niveau des spells, le skill 1, c'est simplement deux fois, avec une chance sur deux, la chance de mettre un break death. Voilà, donc c'est un skill 1 qui est très intéressant. Il scale attaque. Le skill 2, c'est tape deux fois en AOE. Scaling Death affiche 30% de dégâts supplémentaires sur des cibles qui ont des effets néfastes sur eux, donc le Break Death par exemple, et absorbe la TB de 20% si tu n'as pas d'effet néfaste sur toi. Skill 2 à 3 tours de CD, très intéressant. Et le Skill 3, c'est un passif. Quand tu vas avoir un effet néfaste sur toi pour une première fois, il te sera incapable d'en avoir une seconde fois. Donc tu te fais stun une fois, tu ne pourras plus te faire stun du combat. Tu te mangeras slow, tu ne pourras plus te prendre un slow. Et la deuxième partie du passif, c'est que si on te remet un slow alors que tu as déjà un slow, tu vas le renvoyer. Si par exemple, tu as pris un stun, tu ne pourras pas renvoyer le stun, ok? Et par exemple, si tu as un dot, tu perds le dot, on veut te remettre un dot, tu vas renvoyer le dot. Une bombe, pareil. Voilà. Donc, c'est un kit sur le papier qui a l'air vraiment super intéressant. Et du coup, quand j'ai droppé, j'étais très très content. Et je suis toujours très très content. Et maintenant, on va voir le test et je vous dis fin de vidéo ce que j'en pense réellement. Et au niveau de l'awake, on a un awake accuracy, donc qui est intéressant. On a des bonnes stats de base. C'est vrai que je ne les ai pas mentionnées, mais les stats de base sont très intéressantes. Et enfin, on a un lead skill de 55% pour la reine en raise. Voilà, qui est un bon lead pour lui, même si c'est pas le plus approprié. Alors au niveau du build, je suis parti sur Vio Revenge. Alors j'ai runé assez lent parce que je vais beaucoup jouer avec des compos land, avec du ragdoll pour en fait justement reprendre des tours. Et donc je me suis dit qu'avoir plus de stats pour voir un petit peu les dégâts du mob, ça pourrait être très intéressant. Donc on a autocrit. Et puis au niveau des artefacts, je vais chercher des multites, qui est peut-être pas le meilleur non plus, mais comme ça tape deux fois sur le spell et le skill 2, je me dis que ça peut être très intéressant. On peut faire un truc comme ça. Rihanna Juno, waouh, c'est atypique ça. Pra, hein, juste pra game, mais après, du coup, il va prendre double vent. Ça va être un peu embêtant. Peut-être juste faire un truc comme ça, et derrière, on prend Mei Wang ou pas. Mei Wang est bien ici. Vas-y, on va faire un truc comme ça. Juste pour avoir un petit peu de bruiseur, et puis on banne la macha qui va pick. Et tu vois, je suis pas sûr que ce mob-là puisse un V1 par contre, le show. Eh, voyons voir. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est qu'on a le buff attaque de Nikki. Du coup, avec le buff attaque de Nikki, on peut tester un petit peu les dégâts de ce skill-là. C'est bien ça. Bon, du coup, on fait quoi? On peut booster un TB ce clash, je pense. Et on va mettre un break def là-dessus. Ok, on va pas le faire. Ah, on a mis l'antil sur un seul mob. Bon, on peut pas le mettre là à gauche. On a désynchronisé, ça c'est cool. Ouch. Donc on peut plus prendre de dot maintenant. Voilà, c'est fini. On va juste faire ça. Oh, on va faire ça du coup. Il est très tanky, hein. Je devrais limite aller tuer deux fois le truc là. Hein. Et là, ça sert à rien de faire un skill 2, hein. Je vais faire un skill 1. On va le break def. On a le petit proc du coup. Le boost ATB sert à rien. On peut juste shield taper. On a le heal ici. Eh mon tanky! Ok, il proc normal. Et là, on va avoir le skill 2. Et du coup, on va tuer avec le skill 2 normalement. Plus absorber un tour. Hop, hop. Alors, on a 100% ATB du coup. Et on peut aller se taper un Bagdad sur la genou. Ah, on le fera pas. On peut aller taper sur la genou quand même. 2-3 caparites, c'est pas insane la vérité, c'est pas incroyable. Je vais pas me CD. Hutch. On va aller faire ça pour contrôler la TB. Taper là à nouveau, boum. On va perdre la Nikki. Le petit revenge. Le petit revenge.
Hop. Alors, on peut booster tes bessins. Et on peut faire un skill 2. J'ai pas envie de faire le break death maintenant, je vais le garder. Là, on peut absorber de la TB. Hop. On va y taper là. Là, on peut shield break death. On va le faire là-dessus. Ok, on va pas break death. On va taper là. Hop, hop. On le met. Ish. Et on est supposé pas mal là. Eh oh! Je vais faire ça, comme ça je peux absorber la TB. Voilà. Hop. Ok, nice. On va voir ce que ça donne. Mais je pense que la conclusion, elle est déjà, on l'a déjà au bout de 3 games. Ce sera un vampire qui jouera que contre des compos avec des debuffs où tu peux pas te faire one shot et qui peut rebound derrière, mais il va manquer de dégâts. Du coup, il y aura certainement mieux un pic à chaque fois. Lidred d'attaque. Il d'attaque, hein. Oh, il joue plus vite. Avec les 3-3, il est rapide par rapport à Magena. Oh, il s'est pris break def. Oh. Ok. Ok. On va mettre une bombe là-dessus parce que j'ai pas envie qu'il proc violent. Hop. Hop là. Oh. On va aller saucer cette Juno. Ah, tu vois, il a proc violent. Oh là 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 là. Non mais nouveau mob diff en fait. Fridrion diff là. L'énorme Fridrion diff. Incroyable, mais Fridrion c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est fort. C'est juste un plot le mob. Faut pas lui en vouloir hein. En gros c'est un mob que tu vas dodge. Tu vas le dodge et en late game tu vas juste le tuer avec des skills 1 quoi. Tu le dodge et late game tu le... Ouais tu le tues quoi. Ok là. Il sert à rien quoi, il fait 5000 de dégâts par tour, tu le focuses pas. Faut commencer à le focus pour que le mob fasse des trucs quoi. Le dodge et c'est ok hein. C'est pas un support le mob, c'est un damage dealer, il fait 5000 par tour. Bon, partir là dessus. Tu sais que je vais prendre des lead def ici. Bah peut-être pas en fait, lead res. Oh, c'est pas mal ça qu'il ait pas eu le sagar. Robot, hein. J'en joue pas avant. Merde. Bon, absorber un peu d'ATB. J'ai fait des... Attends, quoi? Ah oui, j'absorbe pas ce que je... Ah oui, donc j'ai un debuff sur la tête, du coup j'absorbe pas. J'ai fait... Avec un breakdev, j'ai fait du moins 1200 x 2. J'ai mis du 3000 en AO. Le flop du mob. Le flop du mob. Eh, il va aller au sérieux vite celui-là. Limite, la seule strat qu'il faudrait faire, c'est le mettre à plus 35 000 HP, pas auto-crit, multi-hit, et jouer 4 supports à côté, prier pour pas qu'il banne juste Fridrion, et derrière, en fait, il se ferait full focus. C'est le seul moyen, je pense, de jouer le mob, actuellement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen. On va faire ça, on va partir sur Vanessa et Jaina. Prendre Léo juste pour le multi à buzz speed. Je pense que je vais juste ban Craig c'est trop fort ici. Et le mec fait une vieille draft là. Ça c'était broken à l'époque. Avoir le nerf de Tianlang. Je pense que ça reste toujours bien, mais la meilleure façon pour moi de tanker c'est de ban ce truc là. Bref, faut tanker. Si on tank, normalement on est pas mal. Mais il faut réussir à tanker. Le truc c'est que là il a quand même les dégâts assez réduits puisqu'il y a le Léo. Et il a pas le buff attaque. Donc je me dis, il y a moyen de tanker.
Oh, il a pas eu la gêne. Jenna qui va faire des choses. Ça? Oh. Et... Ouais, j'aurais juste un peu Chihou qui va prendre cher. Hop. Ouais, il est squishy le Chihou, il est en Swift. Résistance, ok. Attention, Fridrillon, c'est à toi de jouer. Wouh! Incroyable, Fridrillon. Je sais pas si je vais faire reset. Ah, oh, je sais pas, vas-y, je fais juste ça. Grave. Oh, Fridrillon. Oh, yo, 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 yo. Skill 2. Pouf, pouf. Oh là 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 là, incroyable. Et regardez, je fais ça, comme ça, si je proc violent, j'ai à nouveau mon skill 2. Et là, je fais skill 1. Proc violent. Boum. Nouh. Je peux plus prendre le break death normalement. Regarde, j'ai mis le break death. Et du coup, je peux le tuer. Pouf. Si je perds contre Cadiz, ça veut dire que Cadiz est plus fort que Fridrillon, c'est la fin du test, hein. C'est la fin du crash test, parce que si Cadiz, qui est extrêmement nul à RTA, est meilleur que Fridrillon, bah, il n'y a plus de tests à faire, en fait. Les tests sont concluants, là. On a déjà notre fin de l'histoire. En plus, il faut vous dire que je joue Fridrillon avec des LD broken à côté, tu vois. Imaginez si j'avais pas des LD broken et que vous avez que Fridrillon comme mob. Le mob ne fait rien, en fait. Bonne Dominique, parce que je pense que c'est plus compliqué de gérer à Dominique qu'à Cadiz. En gros, Cadiz, ça burst un petit peu moins. On peut aller chercher un lead raise, pourquoi pas pour la Nikki, avec son awake, on est quasiment à 100 de raise, puisqu'elle risque de se faire focus. On sait jamais si on peut éviter un petit stun du Chandra, qui est pas capé à Q ou du Cadiz. Ça peut être sympa. When in doubt, pick 5 LD, c'est ça. Exactement. Donc là, on pourra plus prendre de taunt. Wow, on a un proc violent, on a mis le break def. On peut faire skill 2. 10k. Peut-être une pétante là-dessus. Je dis même pas. Je dis même pas. Non, mais c'est trop nul. Il y a un break def, je mets du 6000 en étant tout crit. Même une oracle, elle fait plus de dégâts. Même une oracle, elle fait plus sur le skill 1, alors que c'est runé full tank. Ah, oh, c'est trop grave. Ah, oh, c'est trop nul. Ok, on va le faire, on va le faire. On va le faire. Je suis full life avec ma Nikki. Ok, Nikki encore, enfin, Fridrillon met comme une drill à Cadiz, c'est ok. Cadiz est encore plus flopesque que Fridrillon. Il est en revenge, j'imagine, son truc. Ouais, c'est ce qu'il me semblait. Je vais être de troll. Vas-y, je vais là-dessus. Pour moi, ce qui est bien, c'est qu'il setup de break death sur les tours. Hein. Comme Kinky, il fait le même taf que Kinky. Oh, attendez, je vais avoir le buff attack, là ça va vraiment être insane. Avec le buff attack. Là, Fridrillon buff attack. Je vous avoue là, les tunnels qu'il va mettre là. Attendez, je fais skill 2 d'abord. Ok. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. 3. Ah non, j'ai plus le buff attack. Il m'a strip le Cadiz. Mince!
La Nikki qui met plus de dégâts que le Fridrio sur le skill là. C'est bon, c'est pour m'achever ça. On va essayer de sauver la draft. Comment on sauve cette draft? Elle est insauvable. On peut pas sauver cette draft. C'est horrible. C'est horrible. Non, on va le faire, on va le faire. Vous inquiétez pas, on va pas se faire solo jeune, vous inquiétez pas. Attendez, vous inquiétez pas. Wait. Oh, oh là 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 là. Incroyable, regardez-moi ça. Waouh. C'est incroyable. C'est beau, hein. Et maintenant, on perd en 2v3. Parce qu'on a que des mobs qui servent plus à rien. Oh, le revenge. Que de retournement de situation dans cette draft, dans cette game, c'est incroyable. Oh! Wait. Oh! Oh, mais t'es en train de solo! T'es en train de le faire! C'est broken! Je fais ça, j'ai pas de la Sonya. En gros, il fait Adrien skill 3. Oh, bah, je suis full wheel partout. Ah non, lui il est off wheel, mince. On s'en fout. La vérité, je banne Smicer ou je banne Duman? Faire ça, les gars. Il a pris le lead attack, ok. Lead attack, il y a que Léo. Très 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 tanky. On va absorber un peu d'ATB. On met à 5000 en AOE. Break def. On va faire ça pour donner de l'ATB. Est-ce qu'on lui arracherait pas sa première vie directement? Je pense que si, hein. Oh! Encore un proc? Il meurt des dots, là. Je vais faire skill 2, quand même. It's fine. Peut-être on lui absorbe sa CB, on l'a détour. J'ai oublié de mettre la bombe. Je vais mettre la bombe là. Non. Non. Oh. J'ai trollé. On va juste faire ce qu'il a. Oh non, arrête de proc. Après, je proc beaucoup aussi. Oh, il m'a une crise. Oh, c'est lucky ça. Oh, j'avais mon skill 3. Oh, ça pue. Il aurait dû être mort. J'ai trollé. Bah ouais, c'est fine. J'ai juste un skill 1. Oh, yo, 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 yo. Insane. Il est au-dessus du seuil. Et on peut absorber la TB. Résistance. Ok, on a un lap. Bon, du coup, que dire de ce mob? Donc, premièrement, il est beau. Il est beau, ça. Je pense que... Bon,
tout le monde ne sera pas d'accord. Au niveau de ses facultés à faire quelque chose dans les games, eh bien, bon, je l'ai first pick, donc c'est peut-être pas non plus la meilleure chose à faire. Mais bon, il faut se dire que j'ai quand même joué pas mal d'LD assez sympa à côté pour essayer de le setup. Mais il fait pas grand chose en fait. En gros, moi je trouve qu'il y a une contre-productivité entre son passif et son skill 2. Et on a un problème aussi au niveau de son scaling def sur un spell 2 et un spell 1 qui est scaling attack. Voilà. Donc ça, c'est pour moi un des gros problèmes du mob actuellement. Pour moi, rajouter un scaling def sur son spell up pour aider grandement parce qu'on n'a pas les dégâts. Pour moi, c'est un mob qui est un counter pick qui se jouera pour les dernières rotations. Je l'ai joué en violent, je pense que le vampire peut être très intéressant, mais en état actuel, c'est quasiment impossible parce qu'on n'aura pas les dégâts suffisants. Donc vis-à-vis de la méta, eh bien, un peu counter on la speak dans certains cas de figure, mais je vais rester très évasif parce que les cas de figure, je croise pas beaucoup. Et généralement, si tu arrives à sortir Fridrian on la speak, ça veut dire que tu avais vraiment une farandole d'eau de la speak plus intéressant ou égo à lui que tu aurais pu pick. Donc c'est vraiment jouer XXL, mais c'est un nouveau mob. Toute la famille a le même problème sur le skill 1, ce qui signifie qu'à l'avenir, c'est un mob qui a de fortes chances de se faire buff. Et du coup, pourquoi pas être jouable à l'avenir et pouvoir vous le présenter un petit peu plus dans d'autres cas de figure. Le gros souci que j'ai avec ce mob-là, c'est qu'il doit prendre le debuff pour ensuite le perdre pour ne plus pouvoir le subir et le renvoyer. En fait, pour moi, le problème, c'est qu'il a dans son kit aucune capacité de tanker le temps de perdre ses debuffs et peut se faire trop facilement one shot sans pour autant faire grand chose, apporter quelque chose à la draft. C'est ça le problème. Pour moi, Akroma fait mieux actuellement et Jessica, à la rigueur, ferait mieux aussi actuellement. C'est un mix entre ces deux mobs, mais c'est en dessous. À voir si en siège, ça peut se jouer en tant que tank light. À mon avis, il y a des angles où ça pourrait se jouer. Pour le coup, là, on est d'accord, mais pour la RTA à l'heure actuelle, c'est assez compliqué. Donc voilà, c'est ce que je pense du mob actuellement. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à t'abonner, ça aide beaucoup au développement de la chaîne. Je te remercie pour ça. Un petit pouce bleu et ciao ciao les potes, petit édito.